كلمة الآن لرئيس وفد جمهورية الغابون. Altesse royale, prince héritier, honorable ministre de la Défense, distingués participants. Permettez-moi tout d'abord d'adresser les salutations fraternelles de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, à son frère, le serviteur des deux saintes mosquées, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, pour cette initiative, la coalition islamique militaire internationale pour vaincre le terrorisme. Le Gabon ne peut donc que se féliciter de la tenue de cette première réunion des ministres de la Défense des pays membres de la coalition. Nous souhaitons, pour les travaux que nous effectuons, un plein et franc succès pour lutter contre le terrorisme et les exactions à travers le monde sur des populations innocentes qu'aucune raison, qu'aucun motif ne peut justifier. Ces actes odieux, nous les condamnons avec fermeté. À ce sujet, nous présentons nos sincères condoléances au peuple frère de la République arabe d'Égypte. Cet engagement constant de l'Arabie saoudite et de Son Altesse le prince héritier Mohammed bin Salman à lutter contre le terrorisme et les extrémismes est conforme aux principes et objectifs de la Charte de l'Organisation de la coopération islamique qui prône la coopération et la solidarité des États membres contre les menaces et les ingérences extérieures de toutes sortes. Cet engagement de l'Arabie saoudite, nous le partageons d'autant plus que le Gabon et les pays de l'Afrique centrale sont également concernés par les actes de terrorisme, de piraterie maritime dans le golfe de Guinée, de pillage des ressources pour le financement du terrorisme. C'est pour toutes ces raisons que le Gabon réaffirme ici son engagement dans la coalition à défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et les populations de nos pays. Il nous faut donc, pour ce faire, offrir à cette coalition pan-islamique tous les mécanismes de coopération et d'entraide, de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité respectives pour mieux faire face à la menace terroriste. Mais nous devons aussi travailler à la consolidation du leadership de notre coalition en y faisant adhérer le plus grand nombre de pays, à faire partager sa vision et ses efforts avec la communauté internationale à travers l'Organisation des Nations Unies. En effet, aucun État ne pourra lutter seul contre le terrorisme. Altesse royale, honorable ministre, le Gabon remercie le Royaume d'Arabie saoudite pour l'organisation de cette rencontre hautement stratégique et pour l'accueil très chaleureux qu'il a réservé à nos délégations respectives, et réaffirme une fois de plus l'intérêt de cette coalition qui contribuera à n'en point douter à asseoir une paix durable dans un contexte de mutation profonde de l'environnement sécuritaire mondial. La paix et la sécurité de nos États ne sont pas négociables et n'ont pas de prix. Que le Tout-Puissant veille sur nos pays et qu'avec sa grâce, nous soyons unis pour vaincre définitivement le terrorisme. Je vous remercie.